Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays très Fais des voix! Dame, fais des voix! Des bois! Est-ce vous la fée des bois? Moi? La fée des quoi? Mille pardons, ma bonne dame. Pour avoir entendu maintes histoires, je sais que les apparences souvent sont trompeuses. Dieu merci, je vous trouve. De grâce, écoutez-moi. Un puissant chevalier du Nord vient d'arriver dans la région. Un guerrier redoutable que l'on surnomme le briseur de crâne. Pour mon plus grand malheur, il m'a lancé un défi. Je dois l'affronter ce jour dans un duel à l'épée. Dieu me vienne en aide, je n'ai aucune chance de l'emporter. Ouais, il faut bien mourir un jour. De grâce, ma bonne dame. Si moi, Raoul, je ne réussis pas à vaincre le briseur de crâne, je perdrai, c'est certain, toute chance d'épousailles quand cette union doit m'apporter tout ce qu'un jeune chevalier sans terre peut espérer de la vie. Pour comble de mon malheur, le père de la Douce a décidé, dans un de ses coups de sang qui lui sont coutumiers, de marier sa fille sans délai au vainqueur. Ma défaite signera d'un même coup ma disgrâce, ma ruine et la disparition de ma famille. C'est toute ma vie qui est en jeu. Oui, eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Attendez, je ne vous ai pas tout dit. La vérité, c'est que je suis une grenouille. Dame Cybèle m'a embrassé et m'a transformé en humain. C'est merveilleux. Toutes les grenouilles en ont rêvé. Et c'est à moi que c'est arrivé. Mais si je n'épouse pas la donzelle, si je perds cette bataille, splatch, je redeviendrai une grenouille. Vous imaginez, une grenouille. Mais comment ça, vous, de redevenir une grenouille? Mais oui, une grenouille transformée en chevalier doit épouser la princesse dans les plus brefs délais. Sinon, les faits s'annulent. Tout le monde sait ça. J'ai beau avoir beaucoup d'imagination, mais je vois pas comment une grenouille a pu devenir un type comme toi. Bon, d'accord. Je ne suis pas une grenouille. Je suis un crapaud. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Depuis quand les princesses embrassent-elles les crapauds? Mais elles étaient ivres. Elles avaient bu et elles ont fait un pari. Elle? Qui elle? La princesse était venue avec une servante à elle, quoi. Dame Cybèle a dit que si elle embrassait une grenouille et qu'elle se transformait en prince, alors elle l'épouserait. Et sa servante a exigé qu'elle en fasse le serment, voilà. Oui. Je vois le tableau. Elle t'a transformé en prince. Du coup, elle fait venir un tueur. Elle pousse son père à organiser un duel. Et tu te fais massacrer. Elle se sort de son mauvais coup, fin de l'histoire. Bah, c'est transparent. Mais vous êtes jalouse? Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis un magicien, figure-toi. Et pas n'importe lequel. Un des plus puissants!
maintenant, je dois pêcher des poissons pourris si je veux rester en vie. Eh oui, dès que je sors du bois, les vilains et leurs curés me pourchassent pour me planter sur leur bûcher. Si vous pouvez m'aider. Si je t'aide, qu'est-ce que je gagne? Écoute-moi bien, messire la grenouille. Je t'aide à gagner ton combat, d'accord? Mais ensuite, tu m'entends? Ensuite, tu me devras le manger et le coucher pour toujours. Dans ton château, je veux une tour où j'aurai la paix. Et aucune question, jamais! J'en fais le serment. Ce qui est dit est dit. Il te faudrait une potion qui donne force et courage. Tu pourrais alors bouter ton adversaire. Tel breuvage existe? Certainement. Il se trouve que j'en possède un flacon. Oh, la bonne dame. La force d'un homme qui boit une telle potion est redoutable. Tu n'as pas l'air doué pour gagner des batailles. Faisons un essai. Une goutte. Efficace, hein? Mais pas très chevaleresque. C'est une ruine. Elle est où, ma tour? Va et annonce-moi. Il est temps. Des bois.
La fête des bois, c'est moi, Raoul. Montrez-vous. Montrez-vous. Je suis là. C'est atroce ce que vous m'avez fait. Je vous demande de m'aider, de me soutenir. Je vous promets une tour dans mon château et la paix pour toujours. Et vous me donnez une potion éventée. Vous m'avez mis dans une situation impossible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais réveillez-vous! Je sens que je me transforme! Vite! Voilà! Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? J'essaie d'attraper une grenouille pour lui faire un bisou, comme ça elle va se transformer en prince charmant et je vais l'épouser. Tu auras un couteau d'agitoire. Bon, d'accord. On rentre. Tu sais qu'il y a un chevalier vert caché dans la forêt. Il s'est fait couper la tête, mais il n'est pas mort. Avant de partir, avec sa tête sur le bras, il a dit « Un jour, j'en reviendrai. » »